Mohamed Iqbal, réfléchissant sur cette cosmologie en évolution, ce que j'ai appelé une cosmologie émergente constitutive du Coran, a tout naturellement rencontré la pensée de Bergson, du philosophe français Bergson, qui allait dans le même sens. Le Bergson qui écrit l'évolution créatrice, le Bergson qui appelle de ses voeux une religion dynamique, le Bergson qui insiste sur l'importance de la société ouverte, c'est-à-dire d'un mouvement de toutes les sociétés humaines vers la constitution d'une humanité et vers l'idée de l'humanité comme horizon, eh bien, ce Bergson-là a parlé à Iqbal, qui a trouvé dans sa pensée, en quelque sorte, une convergence avec ce que lui-même lisait dans la tradition de l'islam. Et de la même manière, Senghor, qui était un catholique lui-même et qui était aussi à la recherche d'un catholicisme plus ouvert, d'un catholicisme qui aurait fait sa paix avec la notion d'évolution, avait trouvé matière à nourrir sa quête et à répondre à sa recherche chez un philosophe dont on peut dire qu'il est aussi bergsonien sur ce plan-là, c'est Teilhard de Chardin. Et Senghor a bien perçu la parenté qu'il pouvait y avoir ici entre Mohamed Iqbal et le penseur catholique jésuite, le père Pierre Teilhard de Chardin, lorsqu'il a dit de Iqbal qu'il était, selon lui, le Teilhard de Chardin du monde musulman. Et on voit ici cette convergence de ces différents penseurs. Bergson, le penseur juif, attiré un moment par le catholicisme, mais qui est resté au bord de la conversion. Senghor, le penseur catholique, Iqbal, le penseur musulman, se rencontrant au fond dans cette idée d'une cosmologie ouverte et dans cette idée aussi d'un horizon d'humanité qui doit être la finalité de sociétés de plus en plus ouvertes. Donc, la manière dont ces auteurs ont pensé l'ouverture, la religion dynamique et le pluralisme aussi, concept très important pour notre monde aujourd'hui, et l'exigence de vivre en commun dans la différence de nos interprétations, dans la différence de nos confessions ou de nos absences de confessions, eh bien, cette rencontre explique au fond le travail qui est le mien, qui m'a à un moment donné installé dans ce triangle Bergson, Senghor et Iqbal.